vous regardez RTL. Je trouve que pour la dernière rue Bayard, vous auriez pu au moins encore une fois, je suis sûr que le public est venu pour ça. Hein, c'est vrai que le public ici est venu en sachant que c'était notre dernière des grosses têtes rue Bayard. Il pleure aussi le public. Ah, ah, des chers vous voisins. Ah, voilà. Cher public, en souvenir de ces bonnes années, nous avons passé avec le chevalier. Sans peur et sans reproche, Bayard. Hein? Eh bien, pas de trompette aujourd'hui. Oh, si, oh, si, oh, si, oh, allez, si, oh, la trompette, la trompette, la trompette, la trompette. À la demande générale. Voilà. Eh ben, c'est la preuve. Non, mais là, je ne sais plus faire la trompette. Mais si, Pierre. Mais si, le Pierre. Apportez le Viagra. Bah, le problème, c'est qu'il va le faire vers 18h30. Le temps va s'effacer. Il va faire la trompette pendant Fogiel. Ça va faire bizarre. C'est vrai qu'il fait plus la trompette. Non. Il a plus. Il a plus l'organe. Il a plus. Mais maintenant, il fait très très bien Tino Rossi avec les chœurs. Avec la doublette. Oh, ah, alors ça. Mais il peut faire les deux. Alors, mesdames et messieurs, moi, je serais de vous. Je réclamerais Tino Rossi Tino. Avec les chœurs. Tino, 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 Tino. Allez, Pierrot. Pierrot, donne tout, donne tout. Le plus beau, le plus beau, le plus beau. Elle a tous les tangos du monde. C'est celui, c'est celui, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. C'est beau. J'ai connu, j'ai connu, j'ai connu d'autres tangos à la ronde. Mais mon cœur, n'oubliera pas celui-là. Une première citation. Mais non, mais c'est l'heure de l'invité mystère. On n'a plus le temps. Excusez-moi, vous ratez des trucs pendant la pub. Oui. Vous ratez des trucs, mesdames et messieurs, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pub? Pendant la pub, rien. Le mec, il va au bordel, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pub? Trois trucs. Ah bah vous êtes toujours là, vous, là-dessous. Alors. Là, c'est là, je l'écoute, je bois ses paroles. La première fois, moi, que je suis allé dans une maison close. Ah bon, vous êtes déjà... C'était avec tonton Riri. C'était à Alger. C'était à Paris. C'était en Algérie, c'était avec tonton Riri. Et le mec, alors, moi, j'étais un peu gêné. Bah oui, quand même. Et il avait dit... voilà, il avait pris une, puis une pour moi. Moi, j'étais descendu et j'étais descendu bien avant lui. Et tu sais comment il m'avait surnommé? L'homme qui tire plus vite que son oncle. J'adorais quand Jean-Yann chantait « Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons ». Tu te souviens ça? Oui. Oh là là, la culture RTL. C'est moi, je m'en souviens, mais il faut connaître les paroles si vous la commencez. Ah, rouvrez les maisons, rouvrez les maisons. Puis c'est tout ce que je sais. Tu l'as connu, Benichou, cette chanson? Côté de Jean-Yann que j'aime pas. On ouvre les maisons, on les laisse, tout le monde. Des parigots, des machins. Le marché noir, c'était le bon temps. J'aime pas tellement ça, non. Mais cela dit, en Algérie, les maisons closes n'ont jamais fermé. Ah, jusqu'en 1962, où les Français sont partis, c'était ouvert. Et en 62 et demi, ça a fermé 6 mois, et les autres, ça a rouvert après. Écoutez, il y avait la Villa Manon, il y avait chez Rosette, il y avait... Chez Rosette, quand on y faisait la fête. Il y avait les petites branlettes chez Rosette. C'était bien, c'était chouette. On y retournera. Pour une pipe avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour une pipe avec toi. On dirait que ça te gêne de te bourrer le cul. On dirait que ça te gêne de te bourrer le mou. On dirait que ça te gêne de te faire bourrer le mou. Est-ce que cette émission va être diffusable? C'est ça qui va être diffusé. C'est vous qui vous débrouillez avec la direction de M6. Vous savez ce que c'est être un animateur? C'est dire simplement « chez Rosette oh. ». Amenez-moi le « i » quand même. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Est-ce que... Non, mais je crois qu'on est obligé de garder Pierre. Oui, il faut garder. Oui. C'est quand même un bout en train. La forme qu'il tient aujourd'hui. Il faut garder Pierre.